je suis pas serein là. C'est quoi la meilleure moyen d'arriver au ski en mode? Alors ce soir-là, je crois qu'on jouait pour un CE. Un CE, c'est genre comité d'entreprise. Et généralement, les gens là-bas, ils kiffent l'humour, quoi. Ils adorent écouter. Non, non, ils s'en battent les couilles. Tu ouais. te fais rôtir ton putain de cul. Ouais. C'est n'importe quoi. Et au moment où on joue, les gens étaient prévenus qu'on allait jouer et ils allaient potentiellement nous écouter. Oui, il y avait une système de jeu. L'ambiance est différente. Là, ils sont plus cool, tu vois, ils veulent pas qu'il y ait un discours, ils veulent bien que je connaisse. Ok, c'est dans l'ambiance. Bah ouais, bah nous, bah, on va faire notre mieux. Ah bon, on va faire notre mieux sur le jeu. Ouais, c'est normal, la parmage, le gérard et d'autres. Et finalement, grâce à cette équipe, c'est normal qu'on s'est imposé dans deux ans pour nous présenter. Ah là, faut boire là. Mais par contre, moi, en vrai, moi, je fais comment? On va tous se faire défoncer. Ouais, c'est sûr. Moi, 20 minutes. Mais au moins, on oubliera. Ouais, tu bois dans la maison. Ouais, ouais. Je prends les blagues sur la surprise que j'ai préparée vite fait. Et ensuite, je fais mes blagues à moi. Ah, faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Parce que là, si on est tous là-haut, pendant que tu bides, tu fais le petit coucou à tes potes là-haut, parce que personne ne t'écoutera en fait. Ah oui, c'est marqué dans le titre hein, du groupe Facebook, un rodissage de cul, les gars. Tu le sens pas bien, toi? Je pense que je suis vraiment celui qui sort le moins bien. Ça, c'est moi qui ai le moins d'expérience, je sens que ça va être une catastrophe. Quoi. Moi, je vais parler des handicapés, je pense. C'est parti! On se revoit dans 20 minutes. Je vais avoir pris 30 ans dans 20 minutes. Est-ce que je fais le téléthon ce soir? En vrai, te prends pas la tête, fais ce que t'aimes bien. Et bah là, ça va être tellement long pour Maxime. Quand il va revenir, il aura 10 ans de plus que nous, je pense. Tu vas le voir, il va être chauve. Il va avoir une vieille calvitie. Il va revenir, il aura perdu tous ses cheveux. Salut tout le monde, ça va? Ouais, j'ai rien entendu, ça va? Personne ferme sa gueule. Putain, c'est vous. Vous voyez là ce qui va se passer, ça va être du stand-up. Votre objectif, c'est 2 milliards de chiffres. S'il vous plaît, le stand-up, en fait, dans l'idéal, si on veut tous écouter juste au début, ça serait parfait. Après, voilà, tranquille. Un conseil, faudrait délocaliser dans la décharge. Non, mais vraiment, je pense que ça serait. Ouais, il prend des rires. On a dit qu'aux femmes de ménage. Applause et tout là. Vous avez l'air vraiment mais motivé à atteindre ces 2 milliards. En fait, personne ici. Là, Maxime, tu vas écouter cette vidéo. Et moi, j'ai pris ça pour un compliment sur vos mentir. J'étais tout content. Et t'as coup, fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, tu t'en sors rien. En vrai, franchement, ça va. Regarde, regarde. Je cours, cours, cours. Et là, je sens que je décroche du sol. Sensation de malade. Je conseille qui à n'importe qui ici de faire du parapente. Il est impossible à serrer de la prolonger. Qu'est-ce que tu fais? Et moi je vois. En un seul geste, je pourrais annuler mon passage. Fais pas ça, Antoine. Alors, c'était comment quand tu étais hein? Les gens te regardaient. Je dis tout le côté droit. Ça allait. Ils étaient très actifs, et voilà. Par contre, tout le côté gauche, j'en avais rien à cirer. Et Maxime, je lui ai dit ça, il me fait putain pareil. C'est pour ça que je regardais tout le temps droit. Sauf à gauche, je voyais un mec qui était au bar, tu vois. Mais c'était Nico. Heureux. Ouais, mes copains. Décompresse, ça saigne encore, je sais pas quoi faire. Le gamin il pleure plus, mais moi je pleure, je sais pas quoi faire. Et je décide de prendre les choses en main. Je prends. Content que ça soit terminé. Non, mais qu'est-ce qui se passe pour Nico là? Il en suce sa race. La pire des bons. C'est devenu des moutons là-bas. Je vous remercie. Ça me fait des sensations que j'ai jamais ressenties avant. Ah mais là je m'en fous. Deux pintes dans la gueule, je m'en fous. Là tu me merci du conseil. Tu me mets n'importe où avec deux pintes dans la gueule. C'est notre meilleur allié. À part pour la mémoire où moi je suis flingué. Je suis dans un bar, un comme ça. Et il y a cette fille qui rentre dans le bar. Cette fille qui les aide plutôt avec des bouteilles d'orangina. C'est elle, je la reconnais, c'est ses cheveux. Vous êtes Olivier. Ça ne glacerait pas? Si, mais...
glace. Quoi? Il est bon le chardonnay, là, Olivier, là, il est bon, là, là. Non, Olivier, alors qu'est-ce que vous vendez? Vous les vendez eux? J'ai pas compris le mot. Ah, c'est pas une vanne! C'est vrai que ça fait le taf, hein. Vraiment, ça fait que la soirée, c'est... Au début, par contre, t'as fait chier. On crachait sur ta gueule, sur les vidéos, on était là. Là, ils sont en chien de nous. Bah en fait, au début, je parlais, le brouhaha, je pouvais pas. J'ai commencé à dire, ouais, j'ai vu juste le dégarné, là, Stéphane. Je fais, ouais, Stéphane, tu peux dire côté gauche, j'ai arrêté. Je continue mon sketch, je vois que ça prend pas. Et je reviens sur ces matchs, putain, il y a Stéphane. Côté gauche, je te dis d'arrêter là, je sais pas quel est son poste et tout. Après, je suis parti sur lui, je voyais qu'il avait le soir, tu vois. Je fais, c'est quoi la journée type de Stéphane et tout machin. Puis je fais, vas-y, viens sur scène, Stéphane, ça sera plus simple, tu vois. Là, c'était bon, quoi. Vous prenez un verre ou pas? Ah, bah ouais. Kevin, il prend un verre ou pas? Ah, bah, on refuse jamais un verre, putain. Quand on propose un verre. Ouais, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tu joues. Putain, un bordel. Même si c'est pas bon ce que je propose, c'est genre, un machin, t'en as trois qui sont là. Et t'as les autres, genre, c'est vrai que moi, attends, par rapport au final. On a tous galéré, mais au début, sur tes 5-6 premières minutes, on s'est dit. Et après, t'as pris l'interaction et là, ça a trop bien marché. Qu'en penses-tu de cette soirée? Ah, ça a pas été évident, ça te mec. On va pas se mentir, ça a pas été évident. Après, tu travailles. Là, lui, il a très bien marché. On va au 11 bis. Si on pouvait finir sur une petite Dolto, ça serait bon. Petite bouga bouga à la Berlusconi. C'est quoi une bouga bouga Berlusconi? C'était un président italien qui baisait des putes. C'est quoi des putes? Des meufs qui te frottent ton zizi contre de l'argent. Qu'est-ce qu'on fout? Quelle heure il est? Hey, dans 25 minutes, c'est la sortie du pastis de la Louse. Ah ouais. Je le mets en ligne. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler le vendredi matin et qui écoutent le podcast. On va 65. Mais je fais la comptabilité pour le bar. Ok. Parce que tu sais, moi j'ai fait des études de compta. Et en gros, je suis resté un peu au bar. Ils vendaient un Pepsi 3,40. Mais non. Je leur ai dit, les gars, vous êtes pas rentables. Ils m'ont dit, va, viens nous aider. Ça fait 2h30 que je suis derrière le bar à refaire toute leur compta. Bonne soirée. J'ai bossé. Non, on tarde. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est 12h du matin. Ouais, je bosse. Ah bah elle essaye de squatter. Hein. Le podcast de la Loose. Bonjour. C'est le podcast de la Loose. Bonjour. Bonjour. C'est le podcast du CE. Bonjour. Bonjour. Pum 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 p